J'ai pas d'argent, nada, I'm broke, no money, amigo, no money, no broke. Si j'ai l'argent, je t'appelle. Hey, Skas. ¿Cómo estás, la familia? Jour 2 en République Dominicaine. Gracias a los que siguen mis videos, dan mi gusta y comparta también de Big Juni. Sí, continuamos, subimos. Hey. Les gars, j'ai arrêté quelqu'un. Oh. Il arrive. How much? $3. $3? Okay, bro. ¿Cómo te llamas? Peter. Peter? Yes. Mi nombre es Junior. Junior, yeah. Okay. It's me, 2 días in Punta Cana. Okay. J'ai négocié un prix, j'ai négocié 3 balles. Ouais chef, amène-nous là, chef. Les gars, j'ai envie de te demander s'il peut me laisser conduire. S'il me laisse conduire. Ça a l'air facile, frère. C'est plus facile qu'une voiture. Vista Sol, Punta Cana. Poursuite. Français et anglais. Hablas français? Un poco. Un poco? Tu parles français? Ouais? Un peu? J'ai fait faire tomber mon téléphone. Vous savez, vous voyez quand il a tourné, genre quand il y avait la police ou l'ambulance derrière là, le téléphone il est tombé en terre. Vous avez entendu le pas. Et, les gars, le contrôle aurait pu se faire dehors. Et se casser. Genre, il est tombé ici là. Imagine, il tombait là et il glissait, il allait là. Tu vas vivre ici? Vivre ici? C'est cool de vivre ici? C'est bien? C'est bien? Je sais pas. Tu me conseilles de vivre ici? Oui? Vivre ici. Pardon, chef. Vers mon hôtel là. How much? $10. Hein? $10. 10? Impossible, amigo. $3. Non, en vrai, je vais lui donner $4 là, les gars. Faire le tour? Oui. Maintenant? Oui. Aller où? Aller de l'autre bord, de la belle place. Belle place? Il y a quoi là-bas? De la place de Jumbo. Jumbo. Il y a les places de Chutec, les places de Leki. Belle place. Belle place. Retour à garder, retourner.
Combien? Combien pour... Non, le gaz, deux gaz, ça va. Combien? Mais deux gaz à continuer avec tout. Mais combien pour le gaz? Deux points. Mais si je sais, c'est pas, c'est combien? Comment je vais savoir, genre, combien prévoir? Non. Si, pour la route? Pour la route, pour le moment, j'ai que de gaz. Ok? J'ai que de gaz. Si elle termine de gaz, elle remet de gaz. D'accord? Sinon, elle termine, ok, continue. Tu vas me montrer où? Partout? Oui, partout. Okay. Partout, lève le bord. Je le belle les plages. Belle plage, ok. Belle. Non, il y a la plage ici. La plage, ça vient avec l'hôtel. Oui. J'ai déjà une plage ici, j'ai pas besoin d'aller là-bas. Ok. Tu as de l'argent, mon ami. De l'argent? L'argent. Mais c'est pas. No money. Non, ok, ça va. No money, nada. Ok. Broki. Okay. No money. I'm broki. Okay, need money. Oh, yeah, ça va. Need money. On va visiter, on va de l'argent. Si on visite quelque chose. Mais si je visite, si tu me fais visiter, on va venir ici, tu vas me dire de te payer. Tu veux de l'argent? Non? Non. Oui, tu veux de l'argent? Non. Tu veux $10 pour la route, $10 de l'argent? Oui, si. C'est ça, j'ai pas d'argent, nada, I'm broki. No money, amigo, no money, no broki. Un petito, no money, pula. Oui, c'est des... No money. Si j'ai des cartes, j'ai mis des gasolines, ça va? Comment tu amas? Osmo. Ok. Mi-ja. Mi-ja, j'ai ça. Ja Morant. C'est ça, Ja Morant. Ja Morant. C'est ça. Et toi, là, de gasolines, ok, ça va. Non, c'est pas de money, ok. Ouais, si j'ai l'argent, je t'appelle. Allez, casse. Enfin, j'ai trouvé la technique. J'ai trouvé la putain de technique pour dire aux gens de me laisser en paix, frère. No. Genre, si t'es un touriste ici, ok, et tu marches dans la rue, tu vas te faire accoster par minimum 3 personnes dans la rue, si tu marches. Et le boug, là, avec qui je parlais, là, je l'ai vu hier en passant. Hein, c'est pour ça qu'il s'est arrêté, on parlait déjà et tout, là. Parce que je l'ai vu hier. Il m'a demandé hier soir, il était genre, je pense, 21h. Il m'a demandé, yo, tu veux venir faire le tour? Il faisait nuit, moi, j'ai dit... Attends-moi, je suis entré dans l'hôtel, je suis jamais ressorti. C'est pour ça que quand il est venu ici, il m'a vu, il a dit « Yo, hier je t'ai attendu longtemps, je t'ai attendu pendant 15 minutes et tout. » Il me dit « Il va me faire le tour de la ville et il est grave nuit comme ça. » Moi, je vais nulle part avec toi, frère, tu vois. Là, quand il m'a vu maintenant, il dit « Oh, frère, t'étais où ?» J'oublie qu'on n'est pas au Canada ou, et tout là, et il n'y a pas une règle qui dit que tu es obligé d'attacher ton chien. Il n'est pas attaché, les gars. Donc je me fais mordre. Bon, je vais juste marcher devant. Donc le gars, enfin il vient et je lui dis explicitement en je sais pas combien de langues, français, anglais, espagnol, charabia, que j'ai pas d'argent. Je sais que c'est ça qu'il veut. 90% des gens ici, c'est ça qu'ils veulent. Hey, my friend. Yeah. You speak French or English? Tu parles français? Translator. Hein? Translator. Comment ça, amigo? Bro. Hein? Expression. Donc là, je m'en bats les couilles. Je continue à marcher là, je m'arrête plus, je m'en fous. Genre. Je pense que la technique, vraiment, c'est juste de dire j'ai pas d'argent, laissez-moi en paix. Wesh. J'aurais aimé bien parler espagnol comme ça là quand je marche, je parle espagnol, ils vont croire que je suis d'ici et je suis pas un touriste. Parce que quand ils voient ta tête et ils pensent que tu es un touriste, c'est là qu'ils t'accostent. Yo viens, yo, qu'est-ce qui se passe et tout là. Mais bon. Yo. What's up? Vous voyez? Les gens conduisent comme n'importe quoi, ils me laissent même pas passer. C'est cool. Wow. Oh! Ah! Fuck! Ah! Je vais continuer encore un peu tout droit. Au moins, je sais que l'hôtel, c'est juste tout droit à l'arrière, tu vois. J'ai pas envie de prendre des... Record you? Yeah, what's up, dear? My friend, okay. What's up? Welcome to the yard, my friend. Yeah. You know? Yeah. If you don't know, now you know. Now you know. All right. Yo, les gars, la voiture était remplie de meufs, frère. C'était un gars et genre 6 meufs, vous. Je pense que c'est toutes ces meufs en plus. Bon, disons, on va marcher encore 5 minutes, tout droit, ensuite là, on fait un détour, là. J'ai pas envie d'être trop loin de l'hôtel et être englouti dans les ruelles de Punta Cana, là, et finir dans un quartier chaud, là, tu vois. J'ai installé une application avant de venir, là, puis je suivais des petits cours, là, tu vois. Je faisais des petits jeux en espagnol et tout, là, donc je comprends quelques mots, là. Cual, muestas, gracias, tu eres bella. Bonita,
putas. Vengo de Canadá. ¿Cómo es la vida en Punta Cana? Punta Cana, la vida. ¿Cómo es la vida? La vida aquí en Punta Cana es bien, porque aquí hay poca delincuencia y... ¿Está bien? Sí, nosotros. ¿Y dinero? ¿Está bien? Sí, los dineros sí, de la economía sí, porque aquí fluye el dinero, porque aquí lo más que visita es turista. Okay. Nosotros nos sentimos comprometidos con ustedes a darle un buen trato y a tener una seguridad pendiente y activa para que no les pase de nada. Okay. Okay. Have a nice day, amigo. Vale. Vale. S'il te plaît, si t'es mexicain, traduis ça dans les commentaires parce que, frère, on comprend pas trop et tu vas être là, comprendre tout sans rien nous dire. Si t'as compris tout ce qu'il a dit, dis-le dans les commentaires. Je pourrais même pas les traduire, je pourrais même pas écrire la traduction en bas. Je peux pas vous montrer, à part si j'essaie d'utiliser Google Traduction pour vous le traduire ou quoi. Mais, ce que j'ai compris, l'économie ici est assez difficile, donc c'est le fait que les touristes soient là qui aide un peu aussi les gens ici parce qu'ils payent beaucoup, tu vois, les touristes payent beaucoup, donc là, ça rentre aussi un peu dans leur poche. C'est ça que j'ai compris. Il n'y a plus rien de touristique ici. Il n'y a pas des gros magasins et tout là, ouais. On va continuer un peu devant. Ensuite de ça, demi-tours. Demi-tours. Ah. Mais espagnol est non muy bueno. No muy bueno. Non, muy bueno. Non, non, est bueno, est bueno. You espagnol. Haïtien? Yeah. Haïtien? Je suis haïtien maintenant. Oh, t'es haïtien? Uh-huh. Ok. Dans ma banque de mots ici en République Dominicaine, c'est la même chose. Mi espagnol es no muy bueno. ¿Cómo estás? Amigo, hermano.